Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 9ème épisode dans Let's Play sur Shantae Alp Jenny Hero. Dans l'épisode précédent, on a récupéré pas mal de trucs à gauche à droite, hein. On a principalement exploré les différentes zones. Il ne reste plus grand chose à récupérer dans l'ensemble. On a récupéré pas mal de trucs. On a resté bloqué pas mal de temps sur... la caverne de la course, là où il fait tout noir. Là, il manque un cœur. Là, il manque juste ouais, un petit truc fantôme. Là, il manque un truc fantôme, un cœur, une clé. Cap crustacéan. Il nous manque juste le truc de la grotte. On va essayer de le récupérer cette fois-ci. Sauvegarder la partie. Toi, je te récupère. Bon, c'est juste un cœur, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On va prendre notre temps parce que des fois j'ai tendance à appuyer deux fois de suite sur le truc. Principalement s'occuper de ça là aujourd'hui. On s'en moque, on peut râper. Mince. Ça va peut-être prendre du temps hein, de réussir la mission, mais la petite quête. On a vu qu'il y a un truc avec des pics juste là. On va redescendre. Non. Oh,
Top, 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 top. Reviens. Top, 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 top. Non. Non, j'y étais. Ah, la loose. Bon, ça va, on a à peu près là, on a à peu près compris. Là, lui, je peux aller. Là. Que je puisse arnaquer le jeu comme ça jusqu'au bout. Et bah dis donc. Venant d'araignée. Ouais, maintenant avec l'araignée, je peux utiliser une technique. En fait, si j'avais su, j'aurais directement utilisé j'aurais directement utilisé le vol. On aurait gagné un paquet de temps. Donc là, cap crustacéan, j'ai tout ce qu'il faut. Tasseltone, il manque 3 trucs. Là il manque un truc. Là il manque un truc. Donc le poster va l'avoir ici de toute façon. Déjà là-haut, on a vu un portail là-haut. Vous avez tenu sonar chauve-souris. Le poster, il va pas être ici alors. Il va être ailleurs, mais enfin, il va être ici, mais je ne sais pas où. Là, c'est vrai que le toit, on n'a pas visité du tout la dernière fois. Mince. Ah, mince. Pau, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour, ma chère. Je me fatigue pas de ce château. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, il me fait un peu peur à moi. Non, je me verrais bien m'installer dans un endroit comme celui-là. Tu sembles un peu confus, Po. Ouais, c'est juste mon animal de compagnie, il n'aime pas du tout cet endroit. Il aime courir et courir, mais pas ici, par ici, je sais pas. Il pourrait s'éloigner et se faire blesser, tu comprends? Je veux vraiment qu'il ait un bon foyer où il peut être heureux et vraiment pouvoir se dégourdir les pattes. Je connais un endroit parfait. Tu en connais? Vraiment? Alors, allons-y. Ok, on a le hamster zombie.
J'ai toujours pas ton poster. Pas un coffre. Enfin, c'était un coffre, mais c'est une arnaque. Ok, je pense que on va pouvoir s'en aller d'ici. Combien de clés? J'en ai 5 pour la galerie. Lorsque tu as le hamster zombie et le bloc de fer, amène-les ici. Le fer est assez facile à trouver, je suis sûr que quelqu'un ici sait où en trouver. On fera beau ça, ok. Ces mignons frères zombies ont été vus près du château. Les gens parlent d'une danse qui vous laissera vous envoler à des hauteurs phénoménales. Une femme blob rose est venue te chercher, elle t'attend dans sa caverne à l'usine. Je viens de voir le chevalier azur dans le magasin. Info intéressante sur un film, vous avez vu le dessin animé, ça tu m'as déjà dit. Les roses sous-marines de la fille poisson existent vraiment quelque part sous l'oasis du désert. Si tu pouvais faire sauter le passage pour y rentrer, tu pourrais voir l'objet de ton affection. Bon, il va falloir aller dans l'oasis du désert. Mais il y a longtemps, les sirènes pouvaient faire éclater des bulles, blablabla. Let's go. Repartons.
Alors. Ce serait ici. En fait, j'ai bien envie de réexplorer la rue principale pour retrouver. Pour trouver le cœur qui nous manque. Mais je pense que je le ferai après. On va essayer d'avancer un petit peu. Par là. Ça me dit rien d'avoir visité cet endroit-là. Déjà, ça on récupère. Vous avez obtenu bloc de fer. C'est plus pour le crabe et on avait récupéré ce qu'il fallait. Après, normalement, j'avais tout récupéré, donc on peut utiliser le sifflet.
Ah, ils m'ont quand même un cœur et une clé. Il manque un cœur et une clé, ce qui est déjà pas trop mal. Là, il manque une âme sous l'eau, un cœur. Récupère toujours un petit peu de sous en passant, ça ne fait pas de mal. Mon oncle, j'ai trouvé le bloc de fer pour toi et un hamster zombie aussi. Parfait, voilà, laisse-moi te débarrasser de ça. Dédé, hamster zombie. Dédé, bloc de fer. Il est parfait pour ma machine. Maintenant, on n'a plus qu'à réduire en bouillie l'horrible bloc de fer dans mon moule à roue pour hamster, pour placer doucement notre ami en peluche dedans, et fixer la roue en place. Comme ça. Et voilà, la dynamo est complète. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, tu arrives juste à temps. Venez tous là. Mettons-le en marche et voyons ce qui se passe. Enfin, nous sommes prêts, mon oncle. J'espère que ça va exploser. Et voilà! Tout se passe bien jusque-là. Hein? Je n'aime pas tellement ça. Peut-être que je ferais mieux de l'éteindre, mon oncle. Trop dangereux. Attention! Yah! Et pensez! Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas l'éteindre. Oh! 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 Ah. Regardez-vous, pauvre nigaud perdu. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Si tu as fait du mal à la petite fille, tu as quoi? Construire une autre machine pour m'arrêter? Tu es vraiment un vieil imbécile. Tu penses que je te rendrai les plans de mon plein gré? Tu as changé les plans? C'est vrai. Tu as construit la machine selon mes indications. Ta conception avait des défauts depuis le début. C'est vrai que ta dynamo était capable de générer de grandes quantités d'électricité. Mais en contrepartie, elle produirait également un important flux d'énergie négative à contresens avec chaque rotation. Donc, j'ai simplement changé les plans pour transformer cette énergie négative en magie noire. Oh, pauvre Shantae. Pourquoi? Une expérience. Comme tu peux le voir, j'ai inversé avec succès la magie de l'avorton. Je l'ai changé de bien en mal. Tu es un monstre! Laisse-la partir! Ah, je n'ai aucune intention de la garder. L'avorton a terminé de me servir. Après, je vais modifier la dynamo pour générer de la magie noire à grande échelle. Vous voyez, le pouvoir de corrompre une seule demi-génie est suffisant, je pense. Mais pourquoi s'arrêter là? Quand je peux utiliser cette machine pour inverser la polarité magique du royaume génie en entier. Impossible! Plus maintenant, grâce à vous tous. Je dirais bien au revoir à la gosse demi-génie, mais avec toute la magie maléfique qui la traverse, eh bien, disons juste que c'est ton problème maintenant. Tadam! Cette inhumaine peste! Oublia! Et Shantae? Est-ce qu'il est vraiment maléfique maintenant? Shantae, tu arrives à entendre ma voix? Quel incroyable pouvoir! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce que vous pouvez faire. Vous pouvez souffrir. Vous pouvez vous tortiller comme les vers pathétiques que vous êtes. Noyez-vous dans la souffrance et la douleur pour toujours dans l'oubli. Maintenant, suppliez. Suppliez pour vous laisser la vie sauve. Attention! Je peux le sentir, l'obscurité qui se répand, ma force qui augmente. Et vous,
Ne fais pas ça. Tu es bien trop faible. Qu'est-ce que ça fait de perdre? D'avoir laissé tomber ses amis et sa famille aussi misérablement? S'il te plaît, tout le monde compte encore sur toi. Non, c'est comme ça que ça se termine. Ici, dans l'obscurité. Là où personne ne peut vous sauver. Non! Tu n'as jamais eu de chance. Adieu. Arrête! Comment es-tu arrivé ici? C'est pathétique. Chantal, écoute. C'est moi, Sky. Nous sommes meilleurs amis depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Je sais que tu es désorienté pour le moment et que la magie noire est tout autour de toi. Mais tu dois te battre. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Retrouve ta loyauté et ton honnêteté. Libère-toi de l'obscurité et suis ton cœur. Shantae, je sais que je peux être un ami pourri et que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux que tu saches que j'ai toujours cru en toi. Tu es l'ami de tout le monde, même de quelqu'un comme moi dont tout le monde a peur. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Trouve ta bonté et ta compassion. Libère-toi de l'obscurité et suis ton cœur. Shantae, te voilà. Écoute, je sais que tu agis bizarrement à cause de la magie noire à l'intérieur de toi. Mais ton oncle s'inquiète drôlement. Nous sommes tous inquiets. Je sais que tu ne nous aurais jamais laissé tomber, alors nous n'allons pas te laisser tomber. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Retrouve ta force et ton courage. Réveille-toi et bats-toi. Réveille-toi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Ça fait des heures qu'on essaye de te joindre. Ça va? J'avais peur que tu... Chut! Donnez-lui un moment. Comment te sens-tu? Je vais bien, je crois. Tu as été submergé de magie noire. J'ai bien peur que c'était de ma faute. Non, mon oncle. C'était à moi. Je savais que le royaume génie était en danger. Je voulais être un héros et sauver la situation. Mais... je voulais le faire seul. Je pense qu'au fond, j'avais l'impression que je devais encore compenser ma moitié humaine. Mais sans la force de mes amis humains, je serais perdu aujourd'hui. Je vous ai tous mis en grand danger. Je suis désolé. Nous sommes juste contents que tu sois de retour. Et j'irais même jusqu'à dire que ta moitié humaine est la partie la plus forte de toi. Hé, merci mon oncle. Soupir. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça sur le sol? J'ai obtenu plan de la cachette. Est-ce qu'il doit l'avoir laissé tomber lorsqu'elle a volé la dynamo? C'est là qu'elle a prévu d'attaquer le royaume génie. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons une reine pirate à attraper. Waouh, doucement. Ouais, nous ne savons rien de son plan. Tu pourrais aller droit dans un autre piège. Ils ont raison. La situation demande de la patience. Elle a dit qu'elle allait améliorer la machine. Et nous savons qu'elle ne connaît que 4 composants seulement. Si nous avions une idée de comment elle compte modifier ses pièces, je pourrais inventer un appareil pour contrer son plan. Mais mon oncle, à chaque seconde qui passe, qu'est-ce qui est de plus en plus proche de corrompre le royaume génie? Si ma mère est vraiment à l'intérieur de cet endroit, ça pourrait être ma dernière chance de la trouver. Tu as raison, bien sûr. Tu peux te confronter à Risky Boots maintenant ou continuer à chercher des indices. Le choix t'appartient. Si l'un d'entre vous a un indice, même s'il paraît tout à fait insignifiant, amenez-le ici dans mon atelier. À mon atelier immédiatement, compris? Bien reçu. Mais comment? Je vais préparer Wrench à voler. Est-ce qu'il y a peut-être une longueur d'avance, mais nous n'avons pas encore fini. Techno-baron, qu'est-ce que tu fais par là? Je passe le temps. On m'a signé 1 billion d'heures de travail d'intérêt général. Ils me font démolir mon usine pour la remplacer par une putride réserve de sirènes. Eh bien, c'est ce que tu mérites, je suppose. Plus tôt tu te remets au boulot, plus vite tu auras fini. Jamais, 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 j'ai dit. Je refuse de lever le moindre petit doigt jusqu'à ce que quelqu'un retrouve ma puce de données. Je l'ai caché dans l'usine, il y a toutes mes données financières dessus. Trouve-la, j'ai dit. Tu as trouvé ma puce de données, n'est-ce pas? Oui.
et de donner plus de données. C'est à moi, donne-la-moi. Bon alors, je ne vois aucune raison de ne pas te donner une récompense adaptée à un paysan comme toi. Vous avez obtenu menotte de risque. Qu'est-ce que tu regardes? Prends ta récompense et va-t'en. Merci Technobaron. Bonne chance pour devenir financièrement solvable. Ils disent qu'il y a trois danses cachées dans ces calandres. Qui est ce cyclope costaud au magasin? Bon, allons voir le cyclope costaud. Une relique de chute permet à son propriétaire de se déplacer, blablabla. Il y a un gros homme pieuvre dans la gala. On va aller voir vite fait. Ah bon, Baron, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? J'achète des pièces détachées. Jusqu'à ce que je répare mon vaisseau et que je l'aéroporte, ma flotte entière est là à consommer du carburant. Si j'avais 5 morceaux de ferraille, je pourrais réparer mon vaisseau et filer loin d'ici. Hey, attends une minute. Est-ce que cette ferraille est véritablement pour moi? Des données ferraille. Tu sais, tu es pas mal du tout, chérie. Je vais partager un petit secret avec toi. J'ai croisé notre bonne vieille Missy Boots il y a quelques temps et elle a laissé tomber ceci. J'ai obtenu pendentif de risque. Viens m'aimer comment cette nana veut tout commander. Peut-être que ces trucs va t'aider à la faire redescendre un peu sur Terre, hein. Garde ça entre toi et moi. Ok, c'était juste l'amo baron qui était là. Une souris avec le pouvoir de mort deviendrait très dangereuse. Les morceaux de ferraille peuvent se trouver dans le sol. Essayez de marteler des endroits, ça ok, c'est bon, c'est fait. J'ai vu un effrayant spectre entrer au bord. Allons voir le Squid Baron. Squid Baron. Yo! Tu es là? Je pensais que je t'avais détruit dans la bataille. Non, on s'habitue aux explosions et au souffle au bout d'un moment. Pas de dommages permanents causés. Mais regarde un peu ça. Tu as vu tous les fanarts de Squid Baron dans cet endroit? Je suis une sorte de phénomène global. En fait, voilà. J'ai obtenu poster psychédélique. J'ai dû enlever quelques œuvres d'art pour pouvoir faire de la place pour d'autres photos de moi. Mais ce sont les œuvres d'art de quelqu'un. Quelqu'un a mis son cœur et son âme là-dedans. Bah, jette-le. Non, je vais lui trouver une bonne maison. Et donc, on vous a dit un spectre au bain. Hypno Baron, qu'est-ce que tu fais ici? C'est impossible de travailler avec cet idiot de Squid Baron, donc je recommence à zéro. Je refuse d'être réduit à une plaisanterie comique. Je vais reconstruire un empire de crainte en me nourrissant d'âmes noyées. Je t'ordonne d'en trouver 10. Si tu échoues, je vais envahir les esprits de tous les citoyens de Scuttleton pour les rendre fous. Ça ressemble beaucoup plus à l'Hypno Baron que je connais. Amène-moi les âmes noyées. Ha ha ha. Pas assez, tu vas m'emmener 10 âmes noyées. Ok, il m'en manque aucune. Donc. On a le poster, il manque une âme noyée. Donc ça, c'est pas trop mal. On va faire une sauvegarde, les amis. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Shantae Alp Genie Hero. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.